Ok, allez, c'est parti, on y va, on décale là. On part au VSR, les amis. Eh bien, salut à tous, c'est Drixiz. Là, comme vous l'avez vu, sans plus attendre, on est déjà engagé pour un AVP. Apparemment, ce serait un très gros accident. Donc, on y va, on se dépêche là. Hop, tenue de feu. Hop, chef d'agré. Avec le GHV, c'est parti. Donc, départ VSR, VLCG, Del Perro sont engagés à nos côtés. Le VSAV ainsi que le CCR Palette OB pour un accident de bus. Donc on va attendre les collègues là. Hop. Allez, ils vont se dépêcher. Ils devraient monter d'ici quelques secondes. Là, ils sont en train de s'habiller. Le chef de groupe est là-bas à droite. Hop. Allez, c'est parti, on y va. On se dépêche, on est engagé directement. On a 8 km à parcourir. Waouh, apparemment il y aurait déjà du coup, comme je vous l'ai dit, le VSAV ainsi que le CCR qui sont déjà sur place, hein. Vous avez vu les gars, aujourd'hui, une nouvelle version du VSR, hein, qui sera disponible au téléchargement très rapidement. Avant d'arriver sur zone et de commencer à prendre en charge les potentielles victimes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux pour ne rien louper, c'est super important, hein. Regardez, la VLCG, elle est juste derrière, hein. On est tous en gilet de visibilité. Ce sont des nouveaux GHV que j'ai créés spécialement pour cette vidéo, mais qui vont rester au fur et à mesure de mes vidéos sapeurs-pompiers, hein. Si jamais vous le souhaitez, je peux également vous les publier pour que vous puissiez vous aussi les installer et jouer avec sur votre jeu. Là, il me reste un peu plus de 6 km à parcourir avant d'arriver sur l'intervention. Le VSR, lui, je ne sais pas si vous avez vu les différences. En tout cas, si jamais vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller sur mon Discord, hein, car dessus, je vous mets des photos de l'ancienne version ainsi que de la nouvelle et je vous laisse chercher les différences. J'avais déjà fait ça avec mon Foron Compton. Et vous n'avez pas tous trouvé toutes les différences. Et d'ailleurs, je crois que personne n'avait trouvé toutes les différences, hein. Là, il y a eu pas mal de choses de refaites, hein, comme les rideaux, les poignées, les gyrophares arrière, les gyrophares orange, les phares arrière. Tout a été refait quasiment, hein. Du détail qui a été rajouté sur la cabine avant. Allez, d'ici quelques minutes, on va se présenter sur la zone de l'accident. Apparemment, c'est un bus RATP qui aurait eu un accident, qui aurait fait une sortie de route. Il était chargé de passagers, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de blessés, hein. Mais c'est pour ça qu'on a un chef de groupe qui est engagé. Si nécessaire, je vais être obligé de demander des VSAV supplémentaires, hein. Donc on verra ça, on va pas se faire de plan sur la comète pour le moment. On va attendre d'arriver sur zone. La VLCG m'éclaire de ouf là derrière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, je kiffe, hein. Ce genre d'intervention, c'est assez épique, hein. Je ne l'ai jamais fait cette intervention là, nous allons la découvrir ensemble. Donc d'ici 3,5 km, nous serons fixés sur que se passe-t-il réellement. Donc ça, c'est impeccable, les gars. Voilà, mon téléphone, là, j'ai dû dire un truc du style 10 Siri. Du coup, il s'est activé, donc on va le laisser faire sa vie. Si jamais il parle, je le couperai à l'occasion. Allez, 3 km avant d'arriver sur zone. Je pense que les moyens engagés à nos côtés sont d'ores et déjà sur place, hein. Ils ont engagé qu'un seul VSAV, donc je pense, comme je vous l'ai dit, que je vais devoir en demander des supplémentaires, hein. Allez, la VLCG, elle est toujours derrière, elle met pas son peloton. On y va en colonne, là. D'ici quelques minutes, je vais arriver sur zone, les gars. Je vais m'occuper de stabiliser le véhicule, hein, si jamais il n'est pas déjà stable. Je vais m'occuper de désincarcérer les passagers qui seraient potentiellement incarcérés. Allez, il me reste 2 km à parcourir. J'espère que l'ensemble des moyens seront sur place avant notre arrivée. Ils auront déjà fait le balisage, donc ça, je pense que j'aurai pas besoin de le faire. Allez, on s'écarte, on s'écarte. 1,5 km, la zone d'intervention se rapproche. Le stress commence à monter. Il y a mon collègue là qui se prépare, hein. On casque, gants, là, on se prépare à intervenir. On est tôt le matin en plus, du coup, c'est assez chaud. Il y a pas mal de circulation. Donc, si jamais c'est nécessaire, je couperai la circulation. 900 mètres avant d'arriver sur la zone de l'intervention. 900 mètres. La VLCG, elle s'est toujours pas explosée dans un véhicule, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. 600 mètres. Je vois rien pour le moment. J'ai aucun visuel. Je devrais voir des gyros s'il y a déjà un VSAV et un CCR sur place. Ok, je vois un bus. Ah oui, d'accord, il y a les engins. C'est bon, je les vois. Il y a les engins qui sont déjà là. Ok, très bien. Oh là, qu'est-ce qu'il fait avec sa VLCG? Ok, très bien, il y a les collègues. Allez, hop, je vais tout de suite mettre juste mon panneau. Oh là, oh là, oh là, que se passe-t-il? Je vais faire un slow traffic. Je vais mettre mon panneau ralentir accident, les gars. On n'est pas sur un axe rapide, donc je mets pas ma flèche. Hop.
Allez, ralentir pompier ou accident ralentir. Ça, c'est bien comme ça aussi. Allez, on va aller faire un premier tour. Salut les mecs. Ok, on va aller voir ce qui se passe. Il y a le chef de groupe qui est derrière moi. Bonjour messieurs. Ah, ils ont pas leur gyro d'allumé. Ils ont tous des gilets de visibilité. Regardez, ça c'est pas mal. Ok, un bus ici. Très bien, j'ai combien? J'ai 4 victimes ici. Ok, parfait. Je vais. Oh là, je vais éviter. Oh là là, attention, attention. Je vais éviter de rester trop sous le bus quand même. Hop, je vais demander une VLSM tout de suite. Une VLSM. Hop, comme ça, les gars, on va avoir un infirmier sur place dès maintenant. Hop, je vais prendre des cônes. Est-ce que j'ai des cônes? Hop. Ok, parfait. Je vais prendre mes cônes. Je vais faire mon balisage. Ok, parfait. Allez, je vais mettre mon balisage, ma signalisation d'urgence et non pas mon balisage. Après ça, je vais aller voir s'il y a besoin de stabiliser le véhicule. Dans tous les cas, on va le caler comme on peut. Allez, je me dépêche, hein. Regardez, le chef de groupe, lui, est au contact des victimes. Hop. Elle est où la VLSM là? Elle est là. Ok. Vas-y, l'infirmier, tu peux y aller là. C'est là-bas. Les victimes sont à côté du bus. Moi, je m'occupe de faire mon balisage. C'est ma mission OVSR, hein, faire ma signalisation d'urgence. Un balisage, c'est les sociétés qui s'en occupent. Nous, on fait de la signalisation d'urgence. Bon, ça va me prendre quelques temps quand même de poser tous mes cônes. Mais après, ne vous inquiétez pas, les gars, chaque chose en son temps. Il vaut mieux perdre du temps sur la signalisation d'urgence et travailler en sécurité que de risquer de bâcler cette mission-là et de potentiellement avoir un suraccident. Regardez, là, ça va, je mets mes petits cônes. Ok, il y a la VLSM, elle est garée un petit peu n'importe comment. Je vais la rentrer dans le dispositif à l'issue de ma mission en cours. Ok, l'infirmier est là. Vas-y, va prendre contact avec les victimes, elles sont en bas. J'ai déjà un de mes hommes qui est sur place. Ok, il est parti voir du coup. Regardez le chef de groupe, je vais vous montrer son gilet après. Hop, je vais démarrer les gyros par contre du SAV qui est là, ainsi que du CCR, hein, parce que hors de question qu'il soit sans gyro. Donc c'est bel et bien le SAV Paletto, hein, ainsi que le CCR Paletto. Ok, salut les gars, ça c'est l'équipage VSAV, j'imagine. On va dégager les victimes et ensuite vous allez les prendre en charge. Ok, je remets un cône ici. Je vais en mettre également au niveau du CCR là, histoire d'éviter qu'ils se prennent un véhicule. Hop, ici. Et après, les gars, on va directement partir au niveau des victimes. Ok, parfait. Donc le CCR, je pense qu'il a été engagé pour la mission à protection incendie, hein. Et également parce que vu qu'il n'y avait rien d'autre comme engin avant nous, ils ont engagé le CCR dans le doute. Vu que c'est potentiellement une intervention de grande ampleur, ils engagent des moyens conséquents tout de suite, hein. Ok, pour nous ça va être tout bon, le balisage. Je vais en mettre vite fait un là et un de l'autre côté. Et un là. Et puis après, c'est bon pour nous les gars. Ok, je vais ranger les cônes, je vais garer la VLSM. Après, on va aller chercher des trucs pour stabiliser le véhicule. Et puis, on va s'occuper de sortir les victimes et tout. Et après, les VSAV vont les prendre en charge. Ce n'est pas notre mission, ça part. Hop, allez, je range les cônes. Impec, ça me met la flèche, mais bon, c'est pas grave. Ok, parfait, je vais garer la VLSM moi immédiatement. Hop, on va la mettre dans le dispositif ici. Parfait. Ok, super. Allez, c'est parti. Moi, je vais voir là. Mon bus, comment il est? Ok, il est comme ça. J'ai l'infirmier et le collègue qui sont en train de prendre en charge là-bas. Ok, très bien, les gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le stabiliser. On va mettre des espèces de trucs qui vont le maintenir. Après ça, je vais le lever. Hop. Ok, regardez, on va mettre ça. Ça va tout simplement permettre de le maintenir. Regardez, hop, c'est impeccable. On va mettre ça comme ça. Ok, parfait. Là, il peut plus reculer le bus, ça c'est nickel. Ensuite, je prends mon ballon, ça va me permettre de lever le bus, donc c'est tout simplement quelque chose à air comprimé. Oh, il y a des animaux sauvages qui se mettent là.
Ok. Ok, regardez les gars, je peux lever mon bus maintenant. On va essayer de le lever au maximum, histoire de dégager les victimes. Ok. Là, c'est pas trop mal. Il y a des victimes en contrebas également. Faut que je fasse une reconnaissance dans toute la descente. Ok, c'est parfait ça. Le bus est levé. Allez, on prend les victimes là. Oh là, oh là, oh là. Il est levé le bus. Allez, on va tirer les victimes là. On va les évacuer, faire des dégagements d'urgence. Pour essayer de leur maximiser leurs chances de survie. Ok, j'en mets une là. J'en mets une là tout de suite. Parfait. Je vais aller chercher les autres, les gars. On va faire ça pour au moins ces deux-là qui sont exposés au danger. Il y a les collègues qui sont partis faire une reconnaissance là-bas. Ça, c'est impeccable. Allez, je vais tirer celle-là de victime aussi. Allez, allez. Hop. Ok les gars, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des victimes ou pas? C'est mon équipier, c'est OVSR qui est là. Hop, celle-là, je vais la mettre par là-haut. Il y a l'infirmier qui va tout au bout, je vais aller voir ce qu'il va voir. Hop, regardez les gars, il y a pas mal de moyens sur place. Déjà là, une VLCG, un VSR, la VLSM, le CCR ainsi que le VSAV. Et c'est pas trop mal, hein. Allez, on va la mettre là, celle-là. Les deux autres sont en sécurité vu qu'elles sont un petit peu dans le renfoncement du tunnel. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. Chose que je vais faire également, c'est démarrer les gyros du VSAV ainsi que du CCR. Hop. Ok, je sais pas pourquoi il m'a mis mes trucs ici là. Ok. Hop. Ok les gars. Ok, ça circule pas trop mal la circulation. Donc ça c'est cool. Allez, du coup, ce qu'on fait, je vais voir avec le chef de groupe. Tac, tac, tac. Le bus, lui, il est stabilisé, il est levé, c'est nickel. J'ai mes 4 victimes qui sont là. Je vais voir ce qu'il y a au fond, vite fait. Est-ce qu'il n'y a pas des victimes qui auraient glissé jusque là-bas? Ça m'étonnerait quand même, hein. Mais dans le doute, on sait jamais, vous savez quoi. Ok, il n'y en a pas. J'ai pas de victimes ici. Donc ça, c'est nickel. Allez, je vais retourner par là-bas, du coup. Ok, mon lieutenant. Mon lieutenant, pour nous, RAS, la reconnaissance, 4 victimes. Hein. Donc, je demande des VSAV supplémentaires et puis on va les prendre en charge. Allez, on retourne là-bas, les gars. Là, on a fait le côté signalisation d'urgence, c'est fait. Mettre les gyros, c'est bon, tout est en sécurité. La zone de l'intervention est sécure. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement demander des moyens supplémentaires pour venir prendre en charge mes victimes. Donc, je vais demander 2 VSAV, tout simplement. Hop là. Ambulance. Hop là, j'ai demandé 2 VSAV supplémentaires. Il y a déjà un infirmier, donc ça c'est bon. On va attendre qu'ils arrivent. Et puis après, pour nous, ça va être nickel. Regardez, ils sont là-bas, les VSAV. Ils vont se garer n'importe comment. Je vais m'occuper de les garer dans le dispositif. Toi, du coup, tu restes là. Mon lieutenant, je vous conseille de rester là aussi. Restez là mon lieutenant, bougez pas, je vais garer les VSAV moi dans le dispositif immédiatement. Voilà, voilà, oh le carnage. Oh le carnage. Ok. Celui-là c'est bon. Ok, celui-là c'est nickel. Maintenant ils prennent en charge les victimes. Je vais garer le second, moi. Le second VSAV, il va aller là. Ok, parfait. Allez. Hop. Pour les véhicules, c'est nickel. 3 VSAV, c'est suffisant. Regardez, l'AVP, lui, est toujours en cours. Il y a mon équipier qui est là. Ils évacuent les victimes. Ok, parfait. J'ai toujours 2 autres victimes en contrebas. La circulation, ouais, c'est un petit peu ralenti en cause, tout simplement le fait qu'ils passent avec les brancards au milieu de la route. Hein, j'aurais peut-être dû mettre les VSAV de mon côté, ça aurait été plus judicieux. Et surtout, on aurait travaillé un petit peu plus en sécurité. Eh ben, on n'est pas trop mal. Hein. Allez-y, les gars, il y a d'autres victimes en fond là. Hop, là-bas au niveau du second VSAV. Ok, ils vont prendre en charge l'autre victime.
Eh ben c'est nickel là, on n'est pas trop mal. Hein. Il y a pas mal de monde sur la zone de l'accident, donc je veille bien à ce que tout le monde travaille en sécurité. Allez, on va essayer de voir s'ils ont besoin d'un coup de main, on va mettre la lampe torche. Ok, salut les gars. Qu'est-ce qui se passe là du coup? Je vous éclaire un petit peu. Hein. Ok, lui, ça va apparemment. Pour l'instant, il n'y a pas de blessés très graves. Hein. L'infirmier a réussi à stabiliser tout le monde. Lui, j'ai bien l'impression que par contre, ça, je sais pas pourquoi il est en caleçon, ils ont pu le déshabiller. Ok. Apparemment, celui-là, ça va pas. Ok, les gars, bah apparemment, celui-là, c'est pas trop ça. Je vais demander tout de suite une équipe médicale. Je demande une équipe médicale pour le prendre en charge. Allez, je vais remonter, moi, les accueillir tranquillement. Ils sont déjà là. Hop. Ils sont où, les smurfs? Ils sont là. Allez-y, les gars, allez-y. Ok, parfait, les mecs. Le SMUR est sur place, tout est sur place. Ça circule toujours bien, personne n'est venu percuter un véhicule. Tout se passe pour le mieux. Hein. Ok, les SAV transportent les victimes. Les SAV vont transporter les victimes. L'infirmier est là. Eux, ils en emmènent une. Parfait. Ok, super. Allez. Oh là, oh là, attention, attention à l'infirmier. Attention à l'infirmier. Allez, infirmier. On va aller faire le point avec l'équipe médicale qui travaille en bas. Ok, parfait. Le bus, lui, a été évacué, les gars. Donc ça, c'est impeccable. Ok, l'équipe médicale prend en charge la personne. Bon, bah, pour nous, ça va être tout bon. On va pouvoir renvoyer les moyens. Donc, hop, ce qu'on va faire, là, c'est que eux partent, le VSAV. Les deux VSAV transportent. Hop, ils ont chacun... y en a un qui a deux victimes. Un qui en a une. L'équipe médicale qui prend une autre victime. Je vais leur bloquer la circulation. Ok. Allez, parfait. Ok, super, le SMUR. C'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Hop. Et ben pour nous, les amis, c'est tout bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais... tac, tac, tac. Remonter dans mon VSR. Retirer mon balisage, déjà. Tout mon matériel, l'équipier, il l'a récupéré. Donc ça, c'est impeccable. Hop, les engins roulent vers les centres hospitaliers. Et puis, hey, on n'est pas trop mal. Vraiment pas trop mal. Hop, je vais vérifier que j'ai bien tout récupéré. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ok, parfait. Allez, du coup, je vais retirer. Tac, tac, tout mon balisage. Je vais retirer tout mon balisage. Hein. Hop, la VLSM, elle, je pense que c'est bon pour toi. Tu peux y aller. L'infirmier repart. Et bien pour nous les amis, ça va être une fin d'intervention également, ça s'est déroulé à merveille. Hein. Je retire mon balisage et puis on va rentrer en direction de la caserne. Hop. Allez. Je retire tous mes cônes. Je vais remonter là-dedans. Et avec mon collègue, le chef de groupe, lui, bah, il va rentrer en même temps que nous, je pense. Hein. Ça dépend de lui, ce qu'il a envie de faire. Donc du coup pour nous les amis, ça va être la fin de cette intervention. J'espère vraiment que vous avez kiffé hein, parce que moi franchement c'est un plaisir. Tia il a viré son casque lui l'équipier. Ok bah très bien. Si jamais vous kiffez ce genre de petite vidéo un petit peu scénario les gars, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et puis j'hésiterai pas à en refaire d'autres. Hop. Allez. Ce que je veux faire moi c'est que je vais faire mon demi-tour là. Le CCR et le VSAV je pense qu'il reste là histoire de faire les dernières vérifications. Pour nous c'est tout bon. Hop. Allez. Et nous on rentre direction la caserne de Del Perro. Les gars c'était une très bonne intervention au véhicule de secours routier pour un bel accident de bus hein. C'est malheureux de dire que c'est un bel accident de bus, mais quand même c'était assez intéressant. Qu'est-ce qu'il fait le chef de groupe là? Eh ben il s'amuse lui, impeccable. J'ai même plus besoin d'accélérer, c'est lui qui me pousse. Bon bah les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous voulez d'autres vidéos un petit peu scénario comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. C'est votre espace. Et à 2000 likes, je publie le VSR. Alors je compte sur vous. C'était Drixis, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.